Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Franchement, ça va tellement bien. D'ailleurs, vous devez l'entendre dans ma voix, je suis tellement content de vous retrouver pour cette semaine spéciale old school. Je suis très content de vous présenter du code K, du code 5, du MW2, du BO1, du MW3, oui, même MW3, je suis très content de vous le représenter. Parce que, effectivement, quand vous avez l'habitude régulièrement de jouer uniquement sur un même Call of Duty, quand vous revenez sur les anciens, vous avez la banane, vous avez une érection, tout simplement. Oui, en ce moment, j'ai une... Bon, je vais pas te raconter de conneries parce que... Pour les plus jeunes d'entre vous, je risque de vous choquer. Mais effectivement, c'est tellement jouissif hein, de se taper un bon code 4 où il y a uniquement des accessoires de base, viseur laser, silencieux. Après, je crois que c'est visé assez OG. Vraiment, c'est du basique. Il n'y a pas d'assistance. C'est bon. Il y a toujours hein, des petites choses qui énervent. Hein. Ça, c'est dans tous les Call of Duty. Mais je pense que dans code 4, c'est vraiment le jeu. Le jeu pur, en gros, c'est vraiment le niveau du joueur qui va se révéler. Et c'est ça qui est vraiment kiffant. Pour les plus jeunes d'entre vous hein, sur la franchise, je dis pas pour les plus jeunes en âge, hein, loin de là, je ne juge pas votre maturité par rapport à votre âge, mais en termes d'expérience de jeu, il y a des personnes qui viennent de découvrir Call of Duty, et c'est vrai que si vous n'avez pas eu entre les mains Code 4, c'est une grave erreur. Effectivement, c'est une grave erreur, dans le sens où il vous faut à tout prix le tester, il vous faut à tout prix avoir en fait tous les Call of Duty quelque part. En tant que fan de la franchise Call of Duty, on se doit d'avoir un petit peu les références, tout simplement. C'est comme quand certains sont fans de lecture, il faut avoir les best-sellers. Et bah, Code 4, c'est l'un des best-sellers de Call of Duty. Il est vraiment, à mon goût, l'un des plus intéressants, des plus équilibrés. Franchement, c'est un grand kiff de jouer dessus. Les score streaks, c'est des score streaks de base, donc ça, quelque part... Il n'y a pas de camp pour avoir un drone ou pour avoir une frappe aérienne. Voilà, c'est comme c'est des score streaks de base, ils sont pas spécialement très compliqués à obtenir. Et donc du coup, bah, les gens, ils sont tous en train de courir comme des morphales, histoire de faire du frag. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a très très peu de chances que vous rencontriez des campeurs sur Code 4. Alors, pour vous présenter un petit peu ce gameplay, donc je joue avec la M16. Alors, la M16 de Code 4, c'est un grand kiff. Oui, c'est ça, de Code 4, c'est un grand kiff. Ça fait penser un petit peu à la M8 hein, de Black Ops 2. Elle avait la M8 de Black Ops 2, elle a une popularité énorme. Et bah, la M16 de Code 4, c'était la même chose. Elle a vraiment une très très grosse popularité. Elle est très souvent utilisée. Et franchement, elle bouge à peine. C'est un pur bonheur, quoi. C'est vraiment un pur bonheur. Donc, je suis en domination. Et la particularité hein, de ce gameplay, c'est que tout simplement, c'était un soir où j'avais annoncé à mes abonnés sur Twitter. Donc, c'est pour ça. Hein, l'une des raisons qui fait que c'est intéressant de me suivre sur Twitter, c'est que parfois, je vous donne des informations intéressantes pour pouvoir... non seulement jouer avec moi ou me rencontrer ou... C'est pour ça, honnêtement, je ne peux que vous conseiller de me rejoindre sur Twitter. C'est vraiment un réseau social qui a vraiment pris de l'ampleur hein, ces dernières années. Et honnêtement, je vous conseille de vous créer un compte pour me suivre, parce que vous allez avoir la possibilité d'obtenir pas mal d'informations. Et l'information de ce fameux soir, c'était tout simplement que j'annonçais à mes followers qu'il fallait, disons, que s'ils avaient envie de me rencontrer sur le multi, qu'il fallait se rejoindre sur Code 4. Et vu qu'il y a, on va se l'avouer hein, sur Code 4, il y a quand même très peu de personnes maintenant. Vu qu'il y a très peu de joueurs, vous aviez énormément de chances de me rencontrer hein, sur le multi. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui étaient abonnées à ma chaîne et qui justement avaient l'objectif hein, de me rejoindre sur Code 4, ils avaient tous un nom de clan V12, et d'ailleurs vous avez pu vous rendre compte que certains dans la partie avaient comme nom de clan V12. C'est tout simplement des abonnés qui ont voulu me rejoindre pour passer la soirée avec moi, et je peux vous garantir que c'était mais particulièrement kiffant. Et honnêtement, moi j'ai passé une soirée mais énorme. Alors voilà, le problème de Code 4, c'est, on le sait tous, il est quand même encore particulièrement hacké. Ça, c'est le gros défaut hein, d'Activision. Leur défaut, c'est de délaisser totalement les serveurs une fois que le jeu n'est plus le dernier jeu en date. Hein. Vous regardez Code 4, c'est particulièrement hacké. Code 5, c'est pareil.
MW2, c'est pareil. BO1, j'ai pas vraiment vu beaucoup de hacks hein, sur BO1. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même leur classique qui devrait défendre un minimum leur classique, quoi, tout simplement. Mais bon, on va pas revenir là-dessus de toute façon. Hein, ça n'arrangera pas les choses. Ce n'est pas à mon niveau en tant que simple youtubeur francophone que je vais influencer les actes d'Activision, loin de là. Allez, je voulais vous parler très rapidement du concours. Alors, j'ai essayé de vous expliquer, que ce soit dans ma dernière vidéo, qui d'ailleurs a été énormément appréciée, et ça, franchement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a vraiment reboosté. D'ailleurs, vous devez l'entendre aujourd'hui, je suis très content de vous proposer cette vidéo-là. Effectivement, la dernière vidéo, c'était le 91-0. Vous avez eu énormément de mal à voir ce gameplay-là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, pour moi, j'avais fait exactement les mêmes réglages, que ce soit au niveau de l'enregistrement ou au niveau du rendu. Donc, je ne comprends pas pourquoi YouTube vous a empêché de voir ce gameplay-là. Mais pour tous ceux qui ont pu le voir, franchement, je suis très content qu'il vous ait plu. Je suis très content des retours plus que positifs que j'ai eu sur cette vidéo-là. Je suis très content de l'accueil reçu par mon concept Monsieur Levé 12 débarque chez vous. Je vais commencer très prochainement à tourner les premiers épisodes. Donc, je prendrai contact avec ceux qui m'ont envoyé leur adresse et leur numéro de téléphone sur YouTube, donc en message privé. À mon avis, ça risque d'être particulièrement drôle et particulièrement intéressant. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie. Je trouve que ces derniers temps, vous m'aidez énormément dans le sens où vous partagez beaucoup mes vidéos. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, et qui du coup me donne encore plus envie de bosser pour vous, qui me donne encore plus envie de produire. Parce que je dois vous l'avouer que lorsque vous avez une vidéo qui vous tient à cœur et qu'elle ne fait pas un minimum de vues et qu'elle passe limite inaperçue, ça fait un peu mal au cœur. Ça fait un peu mal au cœur parce qu'on a l'impression en fait de s'être donné à fond et que du coup les personnes qui vous suivent ne sont pas au courant, et c'est vrai que ça démotive un petit peu. D'ailleurs, il y a pas mal de youtubeurs hein, qui sont démotivés ces derniers temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment serrer les coudes, faut vraiment s'entraider. Moi, j'essaie de vous aider en vous proposant des vidéos et du divertissement de qualité. Voilà, vous m'aidez en partageant mes vidéos, en mettant des commentaires, en mettant des pouces verts qui du coup va bien noter la vidéo et qui va la rendre, va lui donner un maximum de visibilité. Donc pour tout ça, j'avais envie de vous remercier, et je vous remercie en particulier avec ce concours. Donc le concours qui a lieu cette semaine, donc c'est pour gagner une GoPro Hero 3, donc l'édition White, et un boîtier d'acquisition Game Capture de chez Elgato. Donc sachant que pour moi le boîtier d'acquisition Elgato reste à ce jour le meilleur hein, des boîtiers d'acquisition, parce que pour moi je suis totalement satisfait de ce boîtier d'acquisition. D'ailleurs, c'est avec ça que je règle tous mes gameplays et j'en suis vraiment particulièrement content. Donc j'avais envie de vous faire bénéficier de ce fameux boîtier d'acquisition qui à mon avis va vous rendre énormément service. Même si vous n'êtes pas youtubeur, c'est toujours intéressant de pouvoir enregistrer ses plus beaux gameplays, d'en garder une petite sauvegarde, un petit souvenir. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, deux petits gameplays, n'importe quoi. Deux petits cadeaux qui à mon avis risquent de faire plaisir à pas mal d'entre vous. Alors, comment gagner ces cadeaux? Alors c'est tout simple, je vais vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, à la fin de ce gameplay, donc ça ne sera pas forcément à la fin, là aujourd'hui je l'ai mis à la fin, mais à la fin de ce gameplay, il y aura une question. La question sera en rapport avec la vidéo de demain, donc la vidéo sur World at War, donc Code 5. Et donc vous aurez, je vais vous découper une scène de la vidéo de demain, et sur cette scène-là, vous allez avoir trois possibilités. Donc quand cette fameuse scène arrivera, je vous expliquerai plus en détail. Et en fait, tout simplement, vous devez garder à l'esprit les différentes questions que je vais vous proposer chaque jour. Et à la fin de la semaine, je vais vous filer une adresse mail sur laquelle vous allez devoir m'envoyer lundi la réponse, mardi la réponse, mercredi la réponse, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Et ainsi, je tirerai au sort parmi les bonnes réponses qui m'auront envoyé à l'adresse mail que je vais vous communiquer en fin de semaine. Voilà, les bonnes réponses, tout simplement. Donc j'espère que cette idée de concours va vous faire plaisir. Du coup, ça évitera toutes les personnes qui sont là uniquement hein, par intérêt,
et pas là pour partager notre passion qui est Call of Duty tout simplement. Alors, on va y arriver tout de suite, donc surveillez bien la scène et surtout essayez d'avoir une certaine logique. Allez, on est parti sur du code 5, regardez bien la scène. Donc voilà, à ce moment précis, à votre avis, donc j'ai le point C à gauche, j'ai la maison à droite, et donc à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais, de toute façon, je vais peut-être d'abord vous proposer les réponses. Donc voilà, par rapport à cette scène-là, donc je l'ai mis en pause, essayez de deviner ce que je vais faire, et du coup, vous gardez ça à l'esprit, vous le notez dans un coin de votre tête, vous le notez sur un petit bout de papier, et à la fin de la semaine, vous allez devoir me donner toutes les réponses de chaque jour. Donc en l'occurrence pour lundi, donc sur ce gameplay de code disons, sur le gameplay de Code 4 d'aujourd'hui en rapport avec le gameplay de demain, là c'est pas forcément très clair, mais bon je pense que maintenant vu que vous avez tout à comment dire face à vous, vous allez tous très bien comprendre. Donc sur ce gameplay de code 5, donc qui aura lieu, donc qui sera diffusé demain, est-ce que Monsieur Levé 12 va passer sans prendre le point, ce qui arrive très souvent, et vous me le reprochez. Monsieur Levé 12 va se faire buter en prenant le point. Ça fait rager, surtout quand vous êtes tout seul. Je connais certaines personnes qui en ont tellement marre hein, de prendre les points alors qu'ils sont tout seuls, du coup les prennent plus du tout. Ou Monsieur Levé 12 va prendre le point. Et ça serait quand même particulièrement bizarre de sa part. Non, bon, allez, faut arrêter parce qu'en ce moment, je capture beaucoup plus les positions qu'avant. Donc voilà, la question sera toute simple. Donc, vous aurez forcément la réponse en regardant la vidéo de demain. Et c'est en ça que je voulais que le concours soit élitiste. C'est tout simplement qu'il va être réservé aux personnes qui vont regarder les vidéos toute la semaine. Donc voilà, j'espère que cette idée de concours vous intéresse. Je voulais pas rendre les choses beaucoup trop compliquées parce que c'est vrai que certains d'entre vous n'ont pas forcément toujours le temps de regarder toutes les vidéos. Donc je me suis dit, je vais faire un truc qui sera assez élitiste pour que ce soit vraiment réservé à mes abonnés, mais pas trop pour que tous mes abonnés puissent participer en masse. Donc je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que le gameplay sur Code 4 vous aura rappelé de bons souvenirs pour ceux qui l'ont eu entre les mains. J'espère que ce gameplay de Code 4 vous aura peut-être donné envie de l'acheter pour faire quelques parties en privé avec vos potes. Franchement, parce que c'est vrai que sur le multi, c'est plus forcément très bien fréquenté. Mais honnêtement, vous faites un petit lobby avec vos potes qui eux aussi le possèdent. Et du coup, vous avez la possibilité de vraiment kiffer, de passer des super soirées. Donc voilà, c'était un petit peu mon opinion. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. On se retrouve demain. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et on se dit à demain. Si la vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un petit pouce vert et voilà, tout simplement. Allez, bonne journée, bonne soirée. Je vous kiffe. À demain.